Sabah al-Khair alaykoum. Bonjour tout le monde. Heureux de vous croiser aujourd'hui pour une petite discussion sur une thématique que j'espère qu'elle va vous intéresser pleinement. Alors, je me présente très brièvement. Je m'appelle Rafik Chalan. Je suis d'abord coach consultant au niveau de l'incubateur de Sidi Abdallah et entrepreneur dans le domaine du web. Désolé pour les étudiants aussi. Ça m'arrive d'être prof de marketing d'innovation et je dirais international. Alors, je prendrai juste quelques secondes pour m'expliquer par rapport à comment les choses vont se dérouler. J'aimerais d'abord vous dire que ce sera plutôt une grande discussion sur une thématique. Ça veut dire que pour ceux qui ont envie éventuellement de poser des questions, d'intervenir, de donner leur avis, vous êtes vraiment aussi libre que moi. Ça veut dire que ne soyez pas avare de vos questions, ne soyez pas avare de vos participations si vous avez envie de le faire. Alors, innovation pour ceux qui le savent. Je dirais la thématique est sous deux thématiques un peu grandes, hein, sur la thématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je commencerai par dire la chose suivante, c'est que, je ne sais pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle. Les entrepreneurs, j'en connais pas mal, allez, levez le bras. Les entrepreneurs, il y en a beaucoup. Alors, qui veulent éventuellement entreprendre plus tard? Créer leur business? Alors, j'ai une petite question intermédiaire pour ceux qui, si vous me permettez. Alors, est-ce que entreprendre c'est facile? Est-ce que c'est facile? Non, pas forcément. Oui. C'est relatif. C'est relatif à quoi? L'environnement? Plusieurs paradoxes? Personnalité? Environnement, compétences, société? Oui. Les moyens? Les besoins? Oui. Les domaines? Alors, au fait, je vais un peu spécifier la question. Si aujourd'hui, on aura à déterminer quel est peut-être l'élément le plus dur, humainement parlant, par rapport à cet entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat en général, quel est l'élément humain le plus dur, à votre avis? Le capital? Alors, le capital, c'est un problème. D'accord? L'argent est un problème. Mais ça devrait être le dernier de votre problème. Le client, c'est pire que l'argent, hein, comme problème. Le concurrent, croyez-moi, c'est bien pire aussi que l'argent comme problème. Ouais? La compétence, la satisfaction client, oui. C'est pour cela que j'ai posé la question un peu humainement, si j'ose dire. Au fait, ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, ce qui est un peu difficile, ce qui fait que c'est un peu dur d'entreprendre, hein, c'est la chose suivante, au fait. Tous les jours que le bon Dieu fait, vous devez, vous, en tant qu'entrepreneur, vous poser tout le temps la même question. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Naturellement, pour ceux qui travaillent déjà ou pour ceux qui ont déjà travaillé, ce qui est facile, je dirais, quand on a un poste d'emploi, c'est que généralement, à travers une direction, à travers un système, à travers un management, on vous dit qu'est-ce qu'on attend de vous. On vous dit qu'est-ce que vous aurez à faire dans l'année, dans le mois, dans la journée. Mais en tant qu'entrepreneur, personne ne vous dira. Mais attendez, la complexité, elle est derrière. Quand je vous dis que personne ne vous dira, ça veut dire que vous devriez vous-même savoir ce que vous aurez à faire tous les jours et tout seul. À la limite, si vous êtes assez riche, vous pouvez vous payer des consultants pour éventuellement des conseils par-ci, par-là, mais ce n'est pas toujours évident parce que ça coûte assez cher, il faut le dire. L'entrepreneuriat, c'était qu'une petite thématique de transition parce que l'une des armes de l'entrepreneur, l'une des armes des entreprises aujourd'hui, on parle d'innovation. Au-delà de la thématique absolument à la mode, hein, il faut le dire, innover, l'innovation, c'est partout. Hein. C'est tellement à la mode qu'on ne sait plus quoi en faire, en fait. Mais le principe, c'est qu'on va essayer d'approcher la chose méthodiquement, d'une manière très simple, d'une manière très ouverte. Je vous le dis encore une fois, on n'est pas là pour faire un cours sur la matière, ce n'est pas un bouquin ouvert, parce que franchement, on s'en fout et que vous n'êtes pas là pour ça. Ça veut dire qu'à partir du moment, on va essayer de s'intéresser à la chose d'une manière intellectuelle, très ouverte et très précise à la fois. Et on simplifie. Il y avait Peter Drucker, pour ceux qui sont friands du management, qui disait qu'il n'y a rien de pire que de bien faire quelque chose que vous ne devriez pas faire du tout. D'ailleurs, je le dirai en arabe, désolé pour nos invités. Ensuite, j'essaierai de faire la traduction. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le disait très bien. Allahumma a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bah oui, ça veut dire qu'à quoi bon d'avoir une science et pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas, je dirais, l'utiliser ou s'en servir. On va essayer d'approcher la science avec des questions. En fait, on se posera trois petites questions pour toute l'intervention, pour toute la conférence. Trois petites questions pour ceux qui veulent éventuellement innover ou qui peuvent avoir une idée globale sur l'innovation. Des questions très simples. C'est quoi innover? D'accord? On veut souvent le faire, mais on ne sait pas pourquoi innover. Hein? Il y a des milliers de raisons pour lesquelles les entreprises et les individus vont chercher éventuellement à innover.
Mais on va essayer de, à travers quatre grands points, d'essayer de remplir tout, je dirais, la partie de l'espace la plus importante par rapport aux raisons de cette innovation. Naturellement, la troisième question, c'est peut-être la plus importante. Peut-être la plus importante parce que, si je reprends l'exemple des livres, j'ai toujours dit à mes étudiants, si tu veux devenir le pape d'une matière, tu n'as qu'à acheter sa Bible. C'est-à-dire, si je veux être très fort en marketing, j'ai qu'à acheter Management Marketing de Kotler, l'étudier pendant 2 ou 3 ans, sérieusement, et je veux devenir le pape du marketing, en théorie. Alors, à partir du moment, je dirais, on va essayer de répondre à ces questions. Et la troisième question qui est peut-être la plus importante, c'est comment innover. Alors, je suis très conscient que je ne vais pas aujourd'hui venir avec des éléments de réponse en 15 petites minutes par rapport à un sujet qui est en train de déchirer les passions du monde, mais on va essayer aussi d'apporter, je dirais, des réponses assez concrètes dans la réflexion par rapport à cette innovation. Alors, première question, comme je vous l'avais promis, c'est quoi innover? Naturellement, la question, je vous la retourne spontanément. Alors, à votre avis, je ne demande que votre avis. On devrait, je dirais, se mettre d'accord sur un paramètre. La vérité sur Terre, ça n'existe pas. D'ailleurs, on vous dit que la vérité n'existe pas, il n'y a que des mensonges non découverts. Alors, qui détient la vérité, c'est encore pire. C'est pour cela que je vous dis, s'il y a peut-être un endroit au monde où on peut se tromper facilement, sans regret et sans répercussion, c'est peut-être ici. On le sait tous. Dehors, si tu commets une erreur, tu paies cher. Mais là, entre nous, à la limite, on peut oser dire ce qu'on pense. On ne cherche pas la vérité, on cherche juste votre avis sur la question. Innover pour vous. Créer. Oui. Innover pour vous. À votre avis. Apporter des réponses. Produire. Inventer. Nouvelle idée. Ajouter. Créer. Répondre à des besoins. Ah, j'ai oublié que vous êtes 200. Oui. Je pense que innover, ça a rapport avec le système de production. C'est apporter un plus dans le processus de production. Apporter un plus dans le processus de production, c'est précis, oui. Penser différemment. Penser différemment, oui. Oui. Apporter une solution à un problème, et on en parlera plus tard. Oui, aussi. Préjugé, oui. S'occuper, je plaisante, ok, d'accord. S'occuper, oui. Transformer, oui. Faciliter la vie des gens. Suggérer, oui. Optimiser, oui. Enrichir. Enrichir, oh là là, c'est une femme qui le dit. Enrichir, oui, bien. Satisfaire un besoin. Améliorer. Au fait, ce n'est pas évident de définir ce que c'est que l'innovation en soi. Il faut, je dirais, se mettre un peu d'accord. Einstein lui-même le disait. Je sais que je n'ai moi-même aucun talent particulier. Persévérance, autocritique, etc. C'est tout ce qui m'a amené à trouver ou à aboutir à quoi j'ai toujours cherché. Je dirais ce que j'ai toujours cherché. Bon, j'ai déformé un peu la phrase, pas grave. Mais je dirais un peu, le pape de l'innovation, dans un domaine précis, il faut le dire, hein, vient vous dire que je n'ai aucune idée de quoi innover peut éventuellement s'agir. Alors, on va devenir un peu plus modeste. On ne peut définir ce que c'est que l'innovation sans passer par définir ce que c'est la créativité. Et quand je dis définir, ne me prenez pas au mot, ce n'est pas de la littérature. Ça veut dire qu'on ne peut en fait définir ce que c'est qu'innover sans passer par le paramètre de la créativité. Parce que la créativité est à la base de l'innovation, c'est pour cela que la créativité représente le processus de génération d'idées. C'est l'inspiration qui nous permet d'accéder, je dirais, à des nouvelles solutions. Au fait, c'est juste réfléchir différemment. Celui qui est créatif, c'est celui qui peut apporter différentes, je dirais, réponses à une problématique en tant que question absolue à la base. Pour l'instant, c'est clair. Ça va pour le moment. On est tout le temps gentil. Ce n'est pas encore fini, parce que l'innovation par sa part, c'est la capacité de convertir ses idées en une solution applicable sur le terrain. C'est cela, l'innovation. On est dans le conceptuel parfait. De leur donner du sens et de la valeur dans un contexte. Mais je le dirais les choses autrement. Vous savez, les deux mots sont à la mode, les deux mots, on les revoit souvent dans la littérature, dans les grandes conférences, etc. Mais il faut être concret dans la vie. Créativité et innovation, c'est des mots un peu vides, un peu vains, surtout dans le business. C'est pour cela qu'il faut leur ajouter un petit mot à côté. Le principe, c'est que l'innovation et la créativité, ils n'ont de sens que lorsqu'on va les lier à un petit mot. On dit créativité ou innovation utile.
Il y a l'utilité derrière, parce que ça ne sert à rien de, je dirais, de trouver la trouvaille du siècle chez vous et de ne pas pouvoir la commercialiser. C'est pour cela que l'utilité dans le domaine du business, généralement, c'est la commercialisation. D'abord, si je prends le marketing en tant que science pure et dure dans ce contexte, je dirais que innover, c'est toute la démarche qui va aider une entreprise à développer, à mettre sur le marché, à commercialiser un produit. Il ne s'agit pas juste, je dirais, d'innover, de créer, mais il s'agit de créer pour sur le marché. D'accord ? Bon, au-delà, par contre, parfois, il y a des petits coups médiatiques qu'on fait sciemment par rapport à des situations telles ou telles, mais principalement, ça s'arrête là. Pourquoi innover ? On doit tous innover, on le sait. On le sait parce qu'on le rabâche du matin au soir, dans toutes les littératures. Si tu veux réellement réussir dans la vie, tu veux réellement réussir dans le business, alors tu dois innover. Je vends des pommes de terre sur une estrade dans un marché. Comment je vais innover, moi ? Sérieusement ? Je vais mettre une puce électronique dans chaque pont de terre. 4 réponses à cette question. Pourquoi innover ? Vous pouvez aujourd'hui recenser peut-être des milliers de réponses intellectuellement par rapport à cette petite question. Les concurrents, ouais. Tu innoves pas, tu meurs. Booster les performances, s'adapter. Ouais. Trouver d'autres solutions. Se différencier. Alors, ce qui est génial, c'est que pour une fois, la question, je l'ai posée, mais je n'avais pas demandé qu'on y réponde. Merci, Sabine. Oui, absolument raison, oui. En fait, comme je l'avais expliqué au départ, il y a peut-être des milliers de raisons pour lesquelles les entreprises et les individus doivent innover. Je ne parle pas trop rapidement, ça va ? Non, ça va. Un petit peu ? Ok. Ralentissez. Ah, ça va être difficile. Alors, en fait, il y a peut-être des milliers de raisons pour lesquelles il faut innover, mais on n'en va en recenser que 4 grandes raisons pour lesquelles les individus, les entreprises doivent le faire. Première grande raison, je ne suis pas d'accord pour les moustaches, mais c'est un avis. J'hésite entre innover et me planter ou ne rien faire et disparaître. En fait, la raison, elle est simple. Ça a été déjà dit par notre ami Samir. J'hésite entre innover et me planter ou ne rien faire et disparaître. Pour expliquer un peu ce contexte, je vais le faire d'une manière purement marketing. En fait, toutes les sociétés du monde essayent toutes, sans exception, de lutter contre un élément dévastateur pour elle. C'est ce qu'on appelle la banalisation des produits. C'est bon ? Bien. L'exclusion du modèle. Oui, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. L'innovation, oui, c'est la thématique. Alors, en fait, la raison est simple et je vais donner des exemples purement marketing. Imaginons un instant que je vais investir pendant quelques mois pour acheter le smartphone de mes rêves, un iPhone. Hein? Le dernier, je pense qu'il coûte dans les 60-65 000 dinars. C'est quand même assez cher, assez onéreux pour un téléphone. Bon, bref, j'ai mon premier smartphone. Au départ, je fais tellement attention sur moi, je dirais, je fais tellement attention que si tu regardes mon smartphone, je vais faire... Le problème, c'est que même bad wealth, c'est ce qu'on appelle la banalisation, c'est que je vais mettre mon smartphone dans la poche avec un trousseau de clés. J'achète ma première voiture. Pareil. Naturellement, les 3 premiers mois, on fait hyper attention. Je dirais, à la venue de la première Dodane, on aurait l'impression que je suis en train de la soulever. 3-6 mois après, je vais repasser sur la même Dodane avec une vitesse incroyable. Les produits se banalisent. Et si les sociétés n'innovent pas, elles vont disparaître. Première grande raison pour laquelle les sociétés et les individus doivent innover. La deuxième grande raison pour laquelle on doit innover, c'est que malheureusement dans l'histoire, même s'il y a eu 3 grandes définitions de l'intelligence, il n'y a eu qu'une seule définition de l'imbécilité. C'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. D'abord, on vous disait intelligence, c'est celui qui trouve des solutions à un problème. Alors, finalement, on a toujours lié l'intelligence au problème et à la résolution de ces derniers. Ensuite, ça a un peu évolué dans, je dirais, l'histoire de l'humanité. On vous disait, intelligence, c'est celui qui trouve solution à un problème avec une aisance relative. Ça veut dire avec un temps et un effort moindre. Troisième grande étape, on vous disait, intelligence, c'est celui qui détecte un problème avant qu'il se pose et il l'évite. Intelligence, c'est celui qui détecte un problème avant qu'il se pose et il l'évite. Malheureusement, l'imbécilité, depuis la nuit des temps, c'est qu'une seule définition. Faire toujours la même chose et espérer un résultat meilleur ou différent. Vous savez, même moi j'aurais l'air idiot. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai l'air idiot ou quoi ? Ben oui, merci, c'est gentil. Alors, deuxième raison pour laquelle il faut innover, parce qu'au fait,
Parce qu'au fait, la définition de l'imbécilité, elle est dans le fait de prétendre à vouloir mieux, à vouloir un plus grand chiffre d'affaires, une part de marché plus importante, avec le même produit, avec les mêmes, je dirais, valeurs que vous lancez sur un marché. Un certain Warren Buffett, pour, je dirais, la troisième raison pour laquelle il faut innover, il disait que si vous avez un bateau, shkaf, floka, hein, qui prend de l'eau d'une manière chronique, partout, il est tout troué et l'eau rentre de, quasiment de partout. L'effort à fournir pour colmater les brèches sera autant ou aussi important que l'effort à fournir pour changer d'embarcation. Si vous avez un bateau qui prend l'eau, hein, l'effort à fournir pour construire un nouveau bateau, pour construire un deuxième bateau, sera quasiment similaire à l'effort à fournir pour essayer de colmater les brèches ou pire, de vider l'embarcation. Troisième raison pour laquelle il faut innover, les sociétés, l'effort à fournir pour les sociétés qui essayent de se débattre avec un produit, je dirais, ancien, désuet, etc., il sera aussi important que l'effort à fournir pour essayer d'investir pour développer un nouveau produit. Quatrième grande raison pour laquelle il faut innover, on dit innover pour augmenter votre capacité à saisir les opportunités. J'aime bien le mot opportunité. D'ailleurs, on vous dit, l'une des qualifications des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc., c'est l'opportunisme. Alors, autant c'est un peut-être gros défaut humain, autant que c'est une grande qualité entrepreneuriale. Alors, l'opportunisme, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Et là, je vous renvoie à la question. Une chance, une occasion. Une occasion qui se présente, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Vous sentez ce sentiment, on a l'impression qu'on sait, mais qu'on ne sait pas dire. Perspective, oui. Bonne affaire, oui. Chance, oui. On a dit chance deux fois aujourd'hui. On en manque? Alors, oui. Opportunité, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? À votre avis? L'occasion de faire mieux, une occasion à saisir. Une autre vision, oui. Pardon? Prouver ses capacités, pardon. Un rêve qui peut se réaliser. Alors, j'aime bien Suit. Hein, fais pas de la pub. Suit, deuxième saison, deuxième épisode. Je n'ai pas de rêve, je n'ai que des objectifs. OK. Réaliser ses rêves, oui. C'est une offre qui attend. Et vous connaissez beaucoup d'occasions qui attendent. OK, une offre qui attend, mais je prends. Avoir les ressources qui se présentent par rapport à une opportunité qui se présente, qui correspond. OK? Bien. En fait, je vais faire que reprendre les mots d'un certain Philippe Gabillier qui disait, pour moi c'est la définition la plus simpliste, la plus simple, dans la forme et la plus vraie. Il disait, une opportunité, c'est une augmentation, c'est un élargissement du champ du possible. Avant je pouvais là, maintenant je peux là. Une opportunité est un élargissement du champ du possible. C'est la définition la plus simple et la plus vraie que je n'ai moi-même jamais lue sur la question. Il y avait un certain Kerim Oussalem, pour ceux peut-être qui le connaissent, un entrepreneur algérien qui vit aux États-Unis depuis une belle lurette. Il disait que si tu es fort dans ton domaine, que tu es bilingue, il précisait arabe-français, c'est comme si tu avais une belle villa avec une très belle piscine. Alors, femme, il n'avait pas... C'est comme si tu avais une belle villa avec une belle piscine. Alors par contre, si tu as les mêmes compétences de base et que tu es trilingue, sous-entendu dire, arabe, français, anglais, c'est comme si tu avais la même belle villa, mais en face de la Méditerranée. Élargissement du champ du possible. Je suis francophone, même pour faire un voyage, je réfléchis peut-être Maroc, Tunisie, France, Belgique, la Suisse romande, etc. Demain, je passe à l'anglais. Naturellement, mon parcours de possibilités insolites de voyage va s'élargir d'une manière incroyable. Une opportunité, c'est un élargissement du champ du possible. Alors, maintenant, ce n'est pas encore fini, parce qu'il y a une autre question, peut-être qu'il y a son pesant en or par rapport à la thématique qu'on est en train d'approcher. La question que je vous pose maintenant, c'est que ça arrive parfois, peut-être, que plusieurs opportunités se présentent en même temps. Alors, les gens beaux et riches, peut-être en savent quelque chose. Alors, parfois, il y a des opportunités qui se présentent toutes ou plusieurs en même temps. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait, à votre avis, la valeur d'une opportunité? Qu'est-ce qui fait qu'une opportunité est meilleure qu'une autre? Le moment, la mode, le
réalisable, la plus bénéfique, oui. Pardon? Le champ d'élargissement, oui. Les facteurs clés de succès, ok. Je souligne. Moins d'efforts, plus de bénéfices, on l'a défini dans la salle. non, mais je vous rassure, c'est la base de l'économie. L'effort à fournir par rapport au plaisir qu'on peut en tirer. C'est pour cela que dans la vie, le fait de trouver 1000 dinars par terre, on a plus de joie que d'avoir retiré les 400 000 dinars de salaire. Oui. Bah oui, la raison est simple. Je viens de tirer 400 000 dinars de salaire mensuel et 1000 dinars, ça me fait encore plus plaisir. La raison, elle est simple. J'ai rien fait pour mériter. Ça veut dire effort à fournir, zéro, plaisir, maximal. C'est la vie. Bien, alors. Perspective. Au fait, on aurait pu tomber sur la réponse relativement facile. On dira que ce qui fait qu'une opportunité est meilleure qu'une autre, c'est le résultat. Ben, ça va de soi. Mais malheureusement, ça ne suffit pas comme explication, la raison elle est simple. On va donner un exemple terre à terre. Imaginons un instant que je suis un revendeur de véhicules d'occasion. On me ramène deux voitures. La première est une Clio. Je l'achète à 600 000 dinars, je la revends à 900 000 dinars. La deuxième est une BMW. Je l'achète à 2 millions de dinars. Je la revends à 4 millions de dinars. L'opportunité, elle est où? L'affaire win. Clio. Clio. Tu l'estimes. Tu achètes à 600 000. Tu vends à... L'opportunité, elle est où? BMW. Bien sûr. Attends. Il y a toutes les filles qui ne sont pas d'accord avec toi. BM Clio, t'es sérieux? Je sais, je te charrie. Alors, le principe est simple, c'est que l'opportunité naturellement est dans la BM. J'en ai le double. Je mise 2 millions, je gagne 4. Ce qui fait la différence entre l'actuel et la stratégie. D'ailleurs, dans le sens stratégique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la stratégie ne peut exister que dans le long terme. Dans la mesure où la stratégie va laisser tomber un bénéfice actuel pour en espérer un deuxième plus grand plus tard. Mais attends, il y a le mot risque qui va venir au milieu. Bien. Alors, dites. Ah oui. Heureusement. Heureusement. Ben, ils auront tout le temps pour... Alors, le principe est simple. C'est qu'aujourd'hui, l'affaire, je dirais, comme on le dit chez nous, l'affaire, elle est dans la BM. Jusqu'au moment où je vous dis que vous avez 1 million de dinars dans la poche. Et là, ça sera la Clio. En fait, ce qui fait la valeur d'une opportunité, ne l'oubliez jamais, parce que malheureusement, les bouquins n'en parlent pas assez, c'est votre capacité à la saisir. Ce qui fait la valeur d'une opportunité, c'est votre capacité à la saisir. C'est pour cela qu'un garçon devant deux filles, il prendra toujours la moins jolie. Bien. Maintenant, peut-être... Que la question centrale, je vous avais dit, ok, apparemment c'est un sujet qui passionne, ce sera la thématique de notre deuxième intervention. Voilà, plus sérieusement, troisième et dernière question sur laquelle on a un petit peu de prétention d'apporter quelques brins de réponse. Que faire pour innover? Pas évident. Le comment, c'est la question la plus complexe en toute chose dans la vie, Le quoi, le pourquoi, le ceci. À la limite, c'est des questions plutôt digestes. Mais le comment? Comment innover? Penser autrement? Commencer par la génération désapprendre. Car la meilleure manière d'approcher une science, c'est de l'approcher avec une âme d'enfant et se dire que je ne sais rien. Parce qu'à partir du moment où tu te diras « je sais quelque chose », c'est fini pour toi. Tu ne sauras plus. Compréhension et persévérance. Oui. Inverser le raisonnement. Attends. Comment ça, inverser le raisonnement? T'es d'accord avec moi si je te dis qu'à la base, pour inverser le raisonnement, c'est que le raisonnement de base, il était inversé. Oui. Enfin, je sais pas. Ok, inverser le raisonnement. Ok. Penser autrement. Peut-être ça passe. Oui. Alors, en fait, je l'avais dit au départ, c'est peut-être la question la plus complexe et je n'ai aucunement prétention de venir l'approcher par je ne sais quelle réponse. Mais essayons d'identifier quelques paramètres qui vont plutôt nous aider à, je dirais,
et de mieux innover. D'accord ? Je change de micro ? Non. Alors, que faire pour innover ? Un certain Linus Pauling, alors prix Nobel de chimie en 1954, je dois avouer que c'est une date facile, c'est la date de la révolution algérienne, alors 1954, qui disait que le meilleur moyen d'avoir de bonnes idées, c'est d'en avoir beaucoup, et par la suite, éliminer les mauvaises. Alors, au fait, ça rejoint un peu la définition même de la créativité. Au fait, c'est quoi être créatif ? Je suis devant un problème, je fais face à un problème et j'essaye de réfléchir à de nouvelles manières de solutionner le problème. D'accord ? Ce qui était, comment ça se passe généralement ? Alors j'ai un souci, je vais essayer de réfléchir, je prends une feuille blanche et je commence par transcrire toutes les idées éventuellement qui peuvent me passer par la tête, histoire de trouver la meilleure. Ça c'est un conseil que je vous le donne. Dans la vie, il faut apprendre à réfléchir avec un stylo et une feuille. L'écrit pousse à la réflexion. C'est quasi automatique, hein ? C'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes. C'est quasi automatique. Si je vous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, bla 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 bla, tu peux parler pendant une heure. Maintenant, si je te demande de m'écrire ce que tu veux faire dans la vie, tu prendras beaucoup plus de temps pour réfléchir d'abord, et ensuite, je pense que c'est le mien. J'arrive à faire du désordre même. Bon, l'essentiel. La meilleure manière d'avoir de bonnes idées, c'est d'en avoir beaucoup et d'éliminer par la suite. Ne jouez pas. Qui est le plus gros voleur de rêves, de vouloir, de motivation, de créativité, d'innovation ? Qui est le plus gros voleur de tout cela dans la vie ? Les mauvaises idées. Les mauvaises idées, autrement dit. La peur, c'est la plus grande motivation humaine. Parce qu'on bouge tous parce qu'on a peur de quelque chose quelque part. Je ne le prends pas au sens peur, mais au sens crainte. La routine. La routine, elle est partout. Il faut juste la choisir. J'ai un ami qui change de passeport chaque 3-4 mois. Parce qu'il sillonne le monde. Et c'est son travail. J'en ai marre de sillonner le monde. Je ne peux plus manger du buffet froid. Avant, j'aimais bien les hôtesses de l'air. L'amay habdo, c'est un ancien dicton chez nous qui dit que l'aveugle ne veut que la lumière. Celui qui travaille chez lui ou qui n'a pas de poste veut bosser, celui qui bosse dans le monde entier veut rester chez lui, etc. Il faut juste choisir sa routine. Enfin, essayer, du moins. Oui. Alors, au fait, le plus gros voleur de toute chose, c'est nous-mêmes. Socrate, c'est nous-mêmes, au-delà du préjugé, même si on l'a vis-à-vis de soi. Vous avez raison dans ce sens. L'ego, quand il est démesuré. Il y avait Socrate lui-même qui disait que si le monde entier te dira que tu vas réussir, que tu es le seul à dire le contraire, ben tu as raison. À partir du moment où tu te dis je ne peux pas, à partir du moment où tu te dis c'est fini, ben c'est fini. Parce que tu es ton propre moteur, de ta propre machine dans la vie. C'est comme ça et pas autrement. C'est peut-être la philosophie, mais elle est vraie. D'accord ? Ce qui fait que, s'il vous plaît, arrêtons de nous auto-censurer par rapport à la réflexion. Je prends une feuille par rapport à une idée, et si vous avez envie de faire le tri, faites-le après avoir transcrit l'idée sur le papier, pas avant. Si vous ne voulez pas freiner votre créativité, vous n'avez qu'à ne pas freiner le fait de vouloir écrire une idée, même si elle est folle, même si elle est impossible, même si elle est farfelue. Si vous voulez faire le tri, faites-le après avoir transcrit l'idée, pas avant. Parce qu'avant, ça devient de la censure. Deuxième raison pour laquelle les entreprises et les individus doivent innover, pour attaquer de front les questions complexes, vous devriez d'abord commencer par comprendre à fond les idées simples. Je vous raconte une anecdote. Il y avait un grand prof de musique aux États-Unis, c'était un trompettiste. Alors il avait convié ses meilleurs disciples à venir jouer un morceau. Naturellement, en étant les meilleurs disciples, ils n'ont joué que les morceaux les plus complexes. Ils ont très très bien joué. À la surprise de tout le monde, le maître a pris sa trompette, a joué, je dis bien avait joué, les morceaux, ce qu'on appelle les morceaux d'échauffement, que n'importe quel débutant sait jouer. Mais le son qui sortait de sa trompette était différemment beau. Il était encore plus beau, on n'avait pas l'impression que c'était des morceaux d'échauffement. Virtuose, maestro. Un peu mieux. D'accord ? Si. Enfin, selon la littérature. Moi, j'aime pas la trompette. Alors, dans le principe, c'est clair. Est-ce que tu peux aujourd'hui avoir la prétention de vouloir venir innover sur une question dont tu ne maîtrises pas les bases ? Ça va être dur. Les coups de chance existent. Mais sinon, ça va être dur. Est-ce que je peux avoir la prétention de venir innover dans un domaine quelconque si je n'ai pas la première prétention d'avoir fait le tour de tout le domaine ? Un sera sur les bases du domaine. Je ne peux avancer que par rapport à des paramètres déjà faits.
On a posé la question à Newton, comment tu as fait pour avoir trouvé ou avoir abouti à des trouvailles aussi importantes? Il disait que je me suis mis sur les épaules de gens qui étaient plus grands que moi. On en parlera plus tard. Troisième raison ou troisième manière avec laquelle on peut éventuellement espérer innover. Il faut apprendre à voir ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, pour apprendre à voir ce qu'on ne voit pas. Alors, je vous avoue que ça a l'air un peu convenu. Il faut apprendre à voir ce qu'on voit pour pouvoir voir ce qu'on ne voit pas. Alors, je vais expliquer le principe avec un exemple très simple. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant la photographie noir et blanc, il y avait la photo noir et blanc. Avant la photographie en couleur, pardon. Il y avait la photographie noir et blanc. Mais je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, on ne disait pas photo noir et blanc, on disait photo. On avait commencé à dire photographie noir et blanc qu'à partir du moment où la photographie en couleur a été créée. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que si on voit exactement ce qu'on voit, ça veut dire que dès que je prends la photo en noir et blanc, je me dis photographie noir et blanc. Je verrai tout de suite ce que je ne vois pas, les couleurs. Peut-être que c'est une pure prétention, mais peut-être que si on avait dit photographie en noir et blanc depuis le début, qu'il ne fallait peut-être pas attendre un siècle pour qu'on trouve celle qui est en couleur, mais peut-être moins. D'accord ? On ne commence à réfléchir aux choses qu'à partir du moment où on en est conscient. Voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir voir ce qu'on ne voit pas. Pensez à la photographie noir et blanc. Quatrième paramètre. En matière de créativité et d'innovation, on vous dit que la simplicité est mère de l'efficacité. Le dicton est bien connu. Mais maintenant, vous enlevez le mot créativité et innovation, mais le principe reste le même. Tu veux être efficace dans la vie? Oui. Sois simple. Sois simple dans ta façon d'agir, sois simple dans ta façon d'aboutir. La simplicité crée l'optimisation. Et l'optimisation fait mieux aboutir les choses. La manière la plus simple. C'est pour cela que vous n'avez que 5, je suis généreux aujourd'hui, vous avez 15 secondes pour me trouver le chemin le plus court. Vous avez 7 secondes. Je ne sais pas compter, ce n'est pas de ma faute. 3, 2, 1, 0. Bah oui, désolé, c'est pas moi qui ai mis les règles, alors je peux les transcrire ou les transgresser. De A à B. La plupart des éléments, la plupart des complexités n'existent pas réellement. Souvent, la complexité est liée à notre incompréhension des choses. D'ailleurs, on vous dit, si tu n'arrives pas à trouver une réponse devant une problématique, c'est que tu la vois beaucoup plus compliquée qu'elle est réellement. Ça veut dire qu'on se la complique à ce sens par rapport à notre manque de compétences. Cinquième élément, faire place nette pour chercher et trouver l'essentiel. C'est l'un des exercices peut-être les plus complexes dans la vraie vie. Alors, je ne sais pas si vous regardez de temps à autre les anciens films par rapport à ceux qui ont essayé de voler pour la première fois. Karim, on ne te voit pas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les premiers films par rapport à ceux qui ont essayé de prendre l'envol pour la première fois. C'est déjà généralement en noir et blanc, mais toute forme d'appareillage qui a fini par échouer, à la base, c'était pour une bonne raison. Pourquoi tous les appareils qui ont essayé de voler ont échoué? Quel est l'élément commun? Non, Samuel. Trop lourd? N'ont pas vu? Les contraintes? Oui. Lesquelles? Oui. Pourquoi? Quel est l'élément commun? Tous les anciens films en noir et blanc. Tous ces appareils qui se crachent. Alors, je ne sais pas, ces émissions, généralement, c'est des émissions d'humour. Le mec sort du 15e, de 15 mètres, il se casse la gueule et ça fait rire. Bon, je ne sais pas. Alors, exactement. En fait, toutes les machines qui ont échoué avaient un point commun, c'est qu'elles essayaient toutes de reproduire le vol de l'oiseau. Il fallait oublier le battement d'ailes pour pouvoir trouver le principe de la portance physique. Il fallait oublier l'élément visuel le plus évident pour trouver l'élément qui se cachait derrière et qui fait que les avions qui pèsent 300 tonnes arrivent à décoller. Vous imaginez? D'accord? J'ajouterai juste un petit paramètre à la fin. Je le reprends d'un co-speaker qui l'a dit il y a quelques jours en arrière. Calum, tous les avions décollent face au vent. Tous les avions décollent face au vent. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, il faut adorer les contraintes, il faut adorer les problèmes, il faut les aimer. Bien. Picasso lui-même disait que l'art abstrait n'existait pas.
qu'il fallait toujours démarrer d'une réalité, et de quelque chose, et ensuite éliminer toute trace de réalité ou de réalisme. Sixième point, échouer pour réussir, l'échec constitue un tremplin important pour ceux qui veulent réussir. Naturellement, Edison, on lui a posé la question, tu as échoué 10 000 fois. Non, j'ai trouvé 10 000 manières qui ne marchaient pas. Je donnerai un exemple, parce que je vous avoue, un exemple facile. Dans le médicament en général, dans le pharmaceutique en général, je ne sais pas si vous le voyez, mais la plupart des médicaments qu'on a trouvés dans le XXe siècle, c'était quelque part des contre-indications par rapport à d'autres médicaments qu'on recherchait. Ça veut dire en essayant de soigner quelque chose, on soigne dans le chemin 3 ou 4 autres choses, complètement par hasard. Un deuxième exemple encore plus fort, c'était une société américaine qui fabriquait des colles. Naturellement, on veut que ça colle. Le principe, c'est que cette colle était tellement faible côté adhésion qu'elle collait à peine et qui, une fois décollée, ne collait plus. C'était un échec cuisant. C'était un échec cuisant avant que ça devienne le plus gros ou la plus grande réussite commerciale de l'entreprise. On appelle ça aujourd'hui le post-it. Le post-it était fabriqué sur la base d'une erreur. Il y a un certain, Ralph qui disait qu'une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. Je la trouve cette phrase sublime, surtout quand on l'applique aux hommes. Septième point. Favoriser les associations d'idées pour développer la créativité et l'innovation. Alors, je vais quand même le dire à Karim, t'es là? Il nous reste combien de temps? 5 minutes, bien. Alors, favoriser les associations d'idées pour développer la créativité et l'innovation. Au fait, dans toute la vie de l'humanité, on a toujours créé quelque chose sur la base de quelque chose. Ça veut dire qu'on a créé l'avion sur la base de l'oiseau qui vole, on a créé la montre sur la base du petit bâtonnet, piqué dans le sable, etc. Ça va être très difficile pour les hommes, avec un grand H, de venir essayer d'innover sur quelque chose qui n'a jamais existé avant. Est-ce que tu peux innover sur la base d'une réflexion, sur un produit ou quelque chose qui n'existe pas? Au fait, toutes les innovations depuis que le monde est monde ont été faites sur la base de quelque chose. Je vous pose une question. Facebook, ça pèse bien les 500 milliards de dollars. Il vaut mieux ne pas faire la conversion, ça fera trop de zéros. On aura l'impression que c'est la distance entre deux planètes, on a les lumières. Mais ce que j'ai envie de vous dire par rapport à Facebook, c'est que j'aurais aujourd'hui à mettre Facebook sur l'échelle de l'innovation, de 1 pour le plus faible à 10 pour le plus fort, vous donnerez combien? 1. 7. 5. Khairul Umuri Awsatwa. 8. 12. 12 sur 10. Ok. Voilà. En fait, parce que je n'ai pas dit 0, que je vais donner 1 aussi. La raison, elle est simple. Facebook n'a fait que transmettre quelque chose qui existait 3 siècles avant lui. Le petit livret qu'on trouvait dans les collèges et dans les universités américaines existait depuis que les universités existent, en fait. Le bouquin, le Facebook. Là où il y a toutes les photos de toutes les... L'idée à la base, c'était juste un passage d'univers. Ce n'est pas une innovation en soi. Bon, maintenant, il y a des milliers d'innovations techniques sur le plan, développement. OK, mais l'idée en elle-même, elle est d'une simplicité déconcertante. Pour observer le flux d'idées, il faut regarder en arrière et en avant pour créer de nouvelles idées à partir des anciennes. Parce qu'on crée tout sur la base de tout. Maintenant, on n'a que 5 minutes, selon Karim. On aurait fait un petit exercice de créativité et d'innovation si on avait plus de temps. Alors, toute la partie innovation ne fait que répondre à des questions, vous le savez. Vous prenez un objet simple. Alors, je ne sais pas pourquoi 90% des gens sur Terre disent marteau. Alors, on prend un marteau. Est-ce que je peux l'alléger? Est-ce que je peux changer la couleur? Est-ce que je peux changer l'utilisation? Est-ce qu'il peut servir à autre chose? Au fait, l'innovation en elle-même n'est qu'un paquet de questions à la base. Et comme on ne peut créer sur la base de rien, il faut réfléchir sur le devenir de ce qu'on a aujourd'hui dans les mains. D'accord? Alors, je vais ouvrir une grande parenthèse. Il y a un bonhomme que j'ai rencontré depuis 3-4 jours. Il disait que les gens les plus brillants dans la vie, finalement, c'est les gens qui n'ont... Bon, je dirais en arabe d'abord. L'adin l'amla. Alors, c'est des gens qui n'ont ni croyance, ni valeur, ni rien du tout. La raison, elle est simple. Hein. Ça marche là, il est là. Ça marche là, il est là-bas. Alors, du coup, c'est le bonhomme qui est en plein dans le vent tout le temps.
comme le bonhomme n'a pas d'ancrage par rapport à des croyances, alors le bonhomme ne suit que le top de ce qui se fait pendant le moment. Ça marche aussi en politique. Hein. Bon. Huitième petit point, hein, se poser les bonnes questions, car il existe deux sortes d'ignorants dans la vie. Il y a ceux qui ignorent les réponses, ça fait de nous des hommes et des femmes normalement constitués. Il y a ceux qui ignorent les réponses et les questions. Ne pas savoir ce que c'est que le marketing, parce que je ne me suis jamais intéressé à la chose, c'est pas grave. Mais ne pas savoir ce que c'est que le marketing existe, j'imagine que c'est un peu plus grave. D'accord ? Alors par rapport à ce paramètre, je rejoins un peu les dires d'un certain ami, Rouaf Hessamir, qui est dans la salle. Je ne vais pas dire il est où. Mais dans le principe, vous savez, les gens qui arrivent à innover, c'est les gens qui sont dotés d'une curiosité énorme. Être curieux intellectuellement, ça a une importance capitale dans la vie. Comment ça marche ? C'est quoi ça ? C'est nouveau ? Winkharj. Alors, il a été créé où ? Pour quelle raison ? Pourquoi il a marché dans ce pays et non pas dans l'autre ? Les gens qui arrivent à entreprendre d'une manière un peu plus aisée peut-être, c'est des gens qui sont très curieux intellectuellement et qui ont une idée sur ce qui se passe ailleurs et les raisons pour lesquelles les choses se font dans un sens ou un autre. Ce qui te met dans le pétrin généralement, ce n'est pas ce que tu ne sais pas. C'est souvent ce que tu penses savoir quand c'est faux. En fait, ce qui nous met dans le pétrin, c'est ce qu'on sait. Ce n'est pas ce qu'on ignore. Parce que l'ignorance crée la prudence. Dernier paramètre sur lequel je vais vous laisser aujourd'hui. Le dicton est connu. Il a été lancé par un certain Lysius. Enfin, je ne sais pas, dans l'histoire, je pense qu'il y en avait deux. Hein. Un philosophe et un riche. Alors la question existentielle, on n'a pas trouvé encore de réponse. Est-ce que les femmes préfèrent les riches ou les philosophes ? Mais le principe, c'est qu'on a eu deux dans l'histoire. Alors la question, le dicton, il est connu. Le temps de réflexion est une économie de temps. N'est-ce pas ? Le dicton, il est connu. Par contre, il faut avouer quelque chose. En fait, je ne vais pas avouer la chose à tout le monde, parce que la plupart d'entre nous le savent déjà. C'est que nous sommes quelque part les champions du monde, toute catégorie, de la réflexion sans action. Nous réfléchissons beaucoup, c'est une réalité. Nous agissons très peu, c'est une réalité. D'accord ? Pourquoi je vous le dis ? Parce que cette petite phrase, il faut la compléter. Il faut la compléter parce que nous sommes ce que nous sommes. Le temps de réflexion est une économie de temps pour ceux qui finissent par agir. Naturellement, toutes les photos n'ont pas été choisies par hasard depuis le début de la présentation. La dernière photo, ça, c'est une petite chaise à la forme de l'infini. On vous dit qu'un homme ordinaire qui marche ira plus loin qu'un homme extraordinaire assis. Et que le dernier secret de ceux qui veulent innover, ou que ceux qui innovent, c'est des gens qui agissent. Et ne l'oubliez pas, une phrase sur laquelle je vais vous laisser aujourd'hui, que ceux qui prennent un risque, hein, en osant. Ils osent, ils prennent un risque, c'est normal. Quoique le plus gros risque qu'un être humain peut prendre, c'est celui de mourir. C'est une finalité. Non, c'est un risque, parce qu'on ne sait pas quand est-ce. Mais le principe, c'est que, finalement, quand j'ose quelque chose, je prends un risque, mais ne l'oubliez pas, celui qui n'ose rien prend un risque plus grand. Merci.